Bonjour à tous et bienvenue sur cette page YouTube de la Plume de Poudlard. Si vous tombez ici, c'est que vous êtes intéressé par le monde d'Harry Potter et toute l'actualité qui tourne autour. Donc, qu'est-ce que c'est que la Plume de Poudlard ? La Plume de Poudlard, c'est un média 100% dédié à l'univers d'Harry Potter. Et oui, nous parlons des produits dérivés, nous faisons des interviews, nous faisons également beaucoup d'articles sur les contenus des pages des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Donc, pour ne rien manquer de toute l'actualité de la Plume de Poudlard, n'hésitez pas à vous abonner sur les pages réseaux sociaux, mais également sur cette page YouTube, puisque l'on publie au moins 2 vidéos par mois. Et quel type de vidéos réalisons-nous ? On fait des interviews, on va aux conventions, conférences sur le monde d'Harry Potter. Des tests produits et également des rétrospectives justement sur les événements. Donc si vous regardez dans les vidéos qu'il y a juste en dessous cette vidéo de présentation, vous allez voir que tout est classé par thématique et vous pourrez retrouver par exemple une interview de Mina Lima, les célèbres graphistes de la saga Harry Potter, donc une interview exclusive que l'on a réalisée directement chez eux, chez House of Mina Lima. À Londres. À Londres. Et également une interview que l'on a réalisée avec l'un des acteurs qui fait partie de la saga Harry Potter et qui a joué dans la Coupe de Feu. De qui il s'agissait ? C'est le personnage Victor Krum, l'acteur c'est Stanislav Javinski. Et pareil, une interview exclusive, mais également voilà, des produits comme par exemple tous les livres de la saga, donc des Beedle de Bar, donc toutes les éditions françaises, mais également des tests produits sur des produits dérivés comme par exemple Woodbox, la marque française qui fait des box tous les mois avec un package de 70€ d'articles Harry Potter. Et nous, on les regarde un par un pour dire un petit peu ce que l'on en pense. Donc, c'est vraiment des choses qui sont hyper pertinentes si vous êtes passionné par le monde d'Harry Potter, des animaux fantastiques et plus largement au Wizarding World, mais également on fait énormément de jeux concours pour remercier tous nos abonnés d'être aussi fidèles à la Plume de Poudlard. Donc, qu'est-ce qu'on peut remporter dans ces jeux concours ? Bah, les produits dérivés, ça peut être des peluches, ça peut être des objets, ça peut être des baguettes, ça peut être des livres, ça peut être des paniers. Et ça peut être également des places pour assister aux événements où la Plume de Poudlard est partenaire, puisque la Plume de Poudlard compte aujourd'hui plus d'une trentaine de partenaires dans différents domaines, mais toujours liés au monde d'Harry Potter. Donc, pour ne rien rater de ces événements, n'hésitez pas à vous abonner juste là, il doit y avoir un bouton abonnez-vous et cliquez sur la cloche aussi pour ne rien rater des vidéos que l'on poste sur la Plume de Poudlard. Donc la Plume de Poudlard aujourd'hui, c'est combien de personnes ? On est 15 personnes. Dans différents domaines, et oui, on a des rédacteurs, des photographes, des webmasters, on a également des traducteurs, on a d'autres personnes qui travaillent dans d'autres domaines, mais ça, cela concerne les projets futurs de la Plume de Poudlard, donc on vous en parlera pas encore pour le moment, mais sachez que pour ne rien rater de toute l'actualité qui se passe sur la Plume de Poudlard, il faut être abonné. Donc n'hésitez pas à suivre la Plume de Poudlard sur toutes nos pages sociales et également sur cette page YouTube. Donc on vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos de la Plume de Poudlard, mais pour la voir et pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner.